L'assurance n'ayant plus de frontières, les experts privés européens ont opéré, après-guerre, un rapprochement dans le cadre d'associations. Au départ, c'était déjà échanger sur les expériences et les pratiques. Experts automobiles, experts médecins ou encore experts en matière de sinistres, chacun a œuvré à une prise en main de sa profession. Le sens de la démarche est de faire des expertises similaires dans toute l'Europe et ensuite de permettre à chacun de travailler dans un autre pays de manière naturelle, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Et pour homogénéiser le métier, des règles communes ont été instituées. On a deux éléments différents. Le code de conduite, c'est toutes les règles éthiques à avoir pour une indépendance et une analyse. Le second élément, c'est qu'on a créé les règles de définition des formations et de l'éducation qu'il faut avoir reçues préalablement pour pouvoir exercer le métier. C'est en général un niveau au niveau technique, c'est un niveau au niveau droit et c'est un niveau au niveau du contrat d'assurance qui a toutes ses particularités qu'il faut donc connaître. L'union faisant la force, ces regroupements ont l'oreille des pouvoirs publics et lorsqu'une mesure nouvelle est prise dans un pays, elle ne tarde pas à faire boule de neige à travers le continent. En France aujourd'hui, depuis 2009, l'expert, quand il voit un véhicule gravement endommagé, il peut l'interdire de circuler. En Belgique, ça commence. En Espagne et en Italie, ils sont en train de traiter le problème. Donc on a introduit une dynamique en ajoutant un volet sécuritaire à l'expertise automobile.